L'alliance, hein, c'est l'union de Dieu et des hommes. Dieu en étant Dieu, il ne peut pas se réunir avec les hommes. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Si Dieu est esprit, pour qu'il puisse s'accorder avec les hommes, Dieu doit faire l'accord. Dieu doit faire l'union. Comme on a vu les sept présidents, ils l'ont fait en Suisse. Et puis à la fin, le peuple a dit, Fatih, non, retire la signature. Si Dieu fait alliance avec une personne, c'est parce que Dieu a des bons projets. Soyez bénis là où tu me suis. Soyez bénis là où tu me suis. Quand je dis union de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire Dieu a parlé à Noé de construire l'arche. C'est-à-dire Dieu voulait tuer, mais il ne pouvait pas tuer tout le monde. Même s'il y a coronavirus, toi qui me suis, tu ne mourras pas. Que 10 000 tombent à ta droite, que 1000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas atteint. L'alliance protège. L'alliance, c'est une couverture. Toi qui es sous l'ombre, sous le parapluie de l'alliance, fais ton nom de Jésus. Même si tu es atteint du corona, à cause de l'alliance, tu es guéri au nom de Jésus. Je ne dis pas que tu seras guéri. Je dis tu es guéri. Même si tu es confiné. Mais si tu n'es pas encore atteint, si tu es sous l'alliance, je bénis ma mamie. Elle est à Paris. Corona est entré dans leur maison. Mais elle a été protégée. Celui qui a l'alliance, tu es protégé. Si tu as l'alliance, tu es protégé. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu as l'alliance, tu es sous l'alliance. Par le sang de Jésus, tu es protégé contre les sorciers de ta famille. Tu es protégé contre les attaques diaboliques. On te fera la guerre. On ne te vaincra pas. Parce que c'est lui qui est sous l'alliance. Il est protégé. Yes. Je suis en train de parler de Noé. Amen. Noé était sous l'alliance. Dieu lui a parlé. Fais l'alliance. Et puis tu vas faire une arche. Il a fait l'arche. Et quand il a fait ça, il a invité les gens d'entrer. Les autres ont refusé. Même quand nous prêchons, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Toi qui me suis, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. En fait, dans la vie, c'est pas la lole lingayo. C'est pas l'isanzambe ponzamba batelayo. Je parle à quelqu'un. Même si ta famille se lève contre toi, si Dieu t'aime, les sorciers ne te feront rien. La magie ne te fera rien. Reçois cette promesse. Comme une profession au nom de Jésus. Comme Noé fait l'alliance avec Dieu, cette union-là a fait que Noé soit protégé. Alors l'alliance, c'est quoi? C'est l'accord. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, papa. Vous savez, Dieu, je mets tout pasteur en défi. Dieu ne peut pas opérer sous la terre. Si les hommes ne s'élèvent pas, Dieu est au ciel, mais il dit à Pierre, voici je te donne la clé, si tu fermes, moi au seul je ferme. Au fait, Dieu est au ciel, mais sur la terre, toi qui me suis, c'est par toi que la pauvreté va libérer. Dieu a dit à Gédéon, je t'ai choisi. Malgré la pauvreté de ta famille, c'est toi que j'ai choisi. C'est-à-dire, quand il choisit Gédéon, c'est une manière de faire un accord, une alliance avec Gédéon. Est-ce que vous me comprenez?
Donc quand Dieu te choisit, c'est-à-dire la pauvreté, la maladie, le combat par toi seront chassés de ta famille. Amen. J'ai donc dit à Jésus, ma famille est la plus pauvre. Mais moi je suis le plus petit. Il dit, va avec la force que je te donne. C'est que l'alliance, hein, c'est une force. Celui qui a l'alliance, il a la force. C'est pourquoi vous allez remarquer. L'alliance te donne le pouvoir. L'alliance te donne la force d'opérer dans les surnaturels. Dieu est esprit. Mais s'il fait alliance avec toi, il te donne le pouvoir d'opérer dans l'esprit, d'opérer dans les surnaturels. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait déclarer. Paul pouvait déclarer, c'est lui qui est à moi est plus fort. Quand il parle comme ça, il est en alliance. Paul le dit ceci, si je vis, ce n'est plus moi. C'est-à-dire, il est en alliance. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Celui qui a l'alliance, Christ est en lui. C'est pourquoi tu vas remarquer mon berger. Je vais m'attaquer à Simba Kissi. Pour à côté de l'alliance, Nangana, on peut se poudre. S'il respecte les accords, s'il respecte les alliances, Ngouma Ngangana, il lui donnera l'argent. L'alliance, c'est un pouvoir. L'alliance, c'est la force. L'alliance, c'est quoi? C'est l'alliance, c'est l'union de Dieu avec les hommes. Tel que tu me suis là, si tu n'es pas encore en alliance avec Jésus, voici le moment. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je lance cet appel. Je lance cet appel. Parce que pendant que tu rêves, le pape à Rome, il est en train de s'organiser. Il est en train de s'organiser pour faire une nouvelle ordre mondiale. On voit les vaccins en train de préparer pour tuer les Africains. Je dis non, vaccin les Africains. On ne tuera plus les Africains. Je prophétise et j'annonce. C'est le temps où l'Afrique va se relever. Voici le moment où Dieu relève l'Afrique. C'est une nouvelle génération que Dieu va susciter. Dieu a dit à Élie, attention Élie. Élie, attention. Ne fais pas de fière. Homme de Dieu, sois simple, sois humble. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Tu n'as pas la totalité de la connaissance. Ce n'est pas toi qui connais tout. Tu n'es pas expert. Je sais, tu es expert. Tu es expert seulement pour contre-attaquer les messages des gens. Même pendant que je prêche ici, tu prépares là où tu vas chercher mes erreurs. Où est-ce qu'il va gaffer? Où est-ce qu'il va faire des erreurs? Je suis humain. Amen. Je ne vais pas avoir de faiblesse. Amen. Même dans la langue française, ce n'est pas ma langue. Amen. J'ai vu le vieux évêque Mukuna prêcher à Lingala. Mais il y a plusieurs. Aseka, toi tu fais que vantard, orgueil, ma péka. Tu prêches bien français. Amen. Montre-moi là où l'église où tu diriges. Tu n'as pas d'église. Amen. Tu n'as pas des âmes. Et puis tu es content. Tu es content comme on a arrêté, on a fermé les églises. Un véritable pasteur, quand les églises sont fermées, il ne doit pas être content. Nous n'encadrons pas les brebis là pour les offrandes. C'est pour les préparer au ciel. C'est pour les préparer à l'enlèvement. C'est pourquoi nous sommes là. Toi qui me suis, retiens une chose, hein.
L'alliance, hein, c'est un contrat. Exemple, cash FCC. Accord de l'UNC avec UDPS. Même OIA, c'est aussi une alliance. Monisco, c'est une alliance. Union européenne, c'est une alliance. Ils se sont entendus pour que Bazana Mokomoko, c'est l'alliance. Dernière définition de l'alliance. C'est un contrat. On peut appeler aussi le mariage alliance. Je n'ai pas le temps, tu vas lire ça dans Genèse chapitre 2. Verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est que celui qui a commencé les alliances, c'est Dieu lui-même. Il dit, il n'est pas bon. Je prie Dieu, vous qui êtes mariés, soyez bénis. Toi qui n'es pas encore marié, que Dieu te donne un bon partenaire. Dali la terre, un bon partenaire. Dali la terre, un peu sur ma lame. Oh, dans l'église, beauté, à Kaba Mabala, mais oui, nous sommes sur la terre. Amen. Avant le ciel, on doit se marier. Bisote neto banda mate ya ba mabala. Mabala, ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Genèse 2:18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Osela ngaba conseil pamba pamba o bate ya kama bala mbongo yoza na mbongo ozala mutuka ozolia bien o bala ngala te yango te. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Merci parce que la Pâque nous a trouvé à la maison. Nous faisons les missions dans la maison de maman Rachel qui est le pasteur aussi. Amen. Elle est là derrière moi. Nous faisons les missions à la maison. Nous respectons les règles du jeûne. Alléluia. Amen. Nous respectons cela. Et pendant que nous faisons la Pâque ici, en réalité, Exode chapitre 12, avant que Dieu libère, en fait, la Pâque, c'est seulement la délivrance. C'est la résurrection. C'est la liberté. C'est quand Dieu libère quelqu'un. Quand Dieu veut libérer les gens. Waouh! Quand Dieu veut délivrer un peuple. Yes. Pasteur, tu m'entends? Quand Dieu veut délivrer un peuple, yes. Dieu ne peut pas délivrer en désordre. Amen. Dieu commence d'abord à faire une alliance avec quelqu'un. Amen. Exode chapitre 12. Dieu voulait libérer le peuple d'Israël. Nous avions eu notre Pâque le vendredi. Parce qu'on ne célèbre pas la Pâque le matin. Mais la Pâque, c'est entre les deux soirs. Et puis la Pâque, c'est le 10e jour du mois d'avril. Amen. La Pâque, on ne le célèbre pas le matin. La Pâque, on le célèbre la nuit. Amen. Va lire Exode chapitre 12. C'est là où on a commencé l'histoire de la Pâque. Amen. La Pâque se célèbre entre les deux soirs. Amen. Or, entre les deux soirs, c'est la nuit. Amen. Entre les deux soirs, c'est la nuit. Amen. Quand on mange la Pâque, on le mange avec des ceintures. Mais on ne mange pas la Pâque sans ceinture. Il faut avoir des souliers aux pieds. On ne le mange pas assis, on le mange debout. Et puis on le mange la même nuit là. Et on ne laisse pas là, le pain sans le vin, ni le vin. On ne laisse pas. Quand vous mangez que ça finit, vous devez brûler ça. Ce qui va rester, vous allez jeter ça. Donc ce n'est pas ce que je vois à la télé, ce n'est pas ça la Pâque. Amen. La Pâque, c'est le 10e jour, donc normalement, selon notre calendrier, s'il fallait célébrer la Pâque, c'est le vendredi. C'est le 10e jour de notre calendrier. C'était le premier mois, leur premier mois, les Juifs, c'était avril, notre calendrier avril d'aujourd'hui. Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un qu'avant que Dieu te libère, Dieu doit d'abord contracter une alliance avec toi. Amen. De la même manière que tu me suis, si tu me suis, c'est tes paroles. Cela, c'est une alliance que Dieu est en train de faire avec toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Donc notre Pâque, c'est Jésus. Amen.
Jésus, c'est le pain sans levain. Amen. Jésus, c'est le pain sans levain. Amen. Parce que la Pâque, hein, on devait immoler l'agneau sans défaut. Amen. Or, ici sur la terre, il n'y a pas un agneau sans défaut. À part Jésus qui est le véritable agneau. Quand Jean le regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Jean pleure, il dit, il n'y avait personne dans le ciel et sur la terre pour ouvrir les livres et de rompre les sceaux. L'un des vieillards a dit, il a dit, voici, c'est lui qui est digne. C'est que sur la terre, il n'y a pas un agneau digne. Au ciel là-bas, il n'y avait que Jésus. L'agneau qui n'avait pas de tâche. Si toi tu me suis, si on peut t'appeler saint, c'est par rapport à Jésus. Si tu reçois la parole, c'est la parole qui nous justifie. Mais ici sur la terre, l'agneau qui n'a pas de tâche, c'est Jésus. Amen. Or, Jésus explique que... Jean explique que Jésus, c'est la parole. Il dit au commencement, c'était la parole. La parole était à Dieu. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Et c'est la parole qui a créé. Apocalypse est écrit, il décrit la parole comme Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous disons, Jésus est notre Pâque. Soyez bénis. Nous disons, malgré confinement, 22h. Réunissez-vous. Priez ensemble dans la famille. Amen. Malgré le confinement, ayez le respect du sacré. Amen. Soyez en prière. Parce que très bientôt là, ta délivrance approche. Amen. Oh, je te dis vrai. Dieu ne peut pas délivrer sans alliance. Il voulait tuer, mais aux Israélites, il leur a dit, tuer l'agneau. Ça, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Amen. On parlait de Jésus qui est le véritable agneau qui devait venir. Vous allez prendre le sang, hein? Vous allez mettre dans les lintons. Ça, c'est un autre enseignement. En réalité, le sang que nous devons, que l'ange de la mort ne peut pas entrer. Là où l'ange de la mort ne peut pas toucher, c'est seulement là où il voit le sang de Jésus. Amen. Parce que Makilan Tabanabino en est recevé. Quand l'ange de la mort vient, quand il voit le sang de Jésus, il ne te touchera pas. Amen. C'est pourquoi celui qui sont cachés en Jésus, ils sont cachés en Christ, ils sont protégés. Amen. Dans l'ange de la mort. Yes. À cette période-là, Dieu voulait tuer en Égypte. C'est pourquoi le sang donnait la vie. L'ange de la mort ne pouvait pas tuer. Et c'est lui qui a vaincu la mort jusqu'à aujourd'hui. Papa, même ma chercheur, ils n'ont pas pu vaincre la mort. Na coronavirus, la mort, ils n'ont pas les produits pour vaincre la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est le véritable agneau sans défaut. C'est lui qui m'écoute. C'est lui qui mange cette parole. C'est lui qui comprend ces paroles. Yes. Tu es en train de célébrer avec moi la Pâque. Alors, à cause de l'alliance que tu as fait avec Jésus au moyen du sang, tu dois continuer de respecter la prière. Amen. Tu dois rester. D'ailleurs, confinement est un véritable moment où tu célébrer Pâque. D'ailleurs, Pâques va célébrer dans ma famille, dans ma église. Yes. Pâques, mingi zara mingi dans ma famille. Parce que nous allons libérer bango. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Maintenant, tu dois continuer avec la vie de l'adoration. Yes. Oya koya telema. Amen. Oya salaki masumu que tes péchés te soient pardonnés. Amen. Lève-toi dans la prière. Yes. Je dis lève-toi dans la prière. Amen. Pâques va célébrer dans la sainteté. Amen. La ceinture. Paul nous explique la ceinture comme la vérité. Amen. C'est que quand on a ceinture l'ancienne alliance des gars ombre, on voulait dire quoi? On ne peut pas manger la Pâque dans les mensonges. Amen. Dans la vie des péchés. La ceinture, il faut manger avec la ceinture. Il faut avoir les sandales. L'apôtre Paul explique les sandales. Il faut avoir le bâton.
Parce que après le mois d'avril, j'annonce et je prophétise. Le mois d'avril, c'est la délivrance contre Corona. Le mois d'avril, c'est notre délivrance Congo. Le mois d'avril, c'est notre nouveau départ. Le mois d'avril, toi qui me suis, Yaya, avril ne finira pas. Tu sortiras là où on t'avait bloqué. À cause de l'alliance, Dieu se prépare pour te libérer. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est la vie. La Pâque, c'est la vie de Jésus. Très bientôt, toi qui me suis, si tu crois, le sida là va te libérer. Le chômage là va te libérer. Je te dis la vérité. Après confinement, les frontières vont s'ouvrir. Après confinement, les voyages vont se rétablir. Après confinement, tu retrouveras ta vie. Tu mangeras encore. Tu voyageras encore. Tu seras béni encore. Je suis venu pour donner une force. Je suis venu dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Avant l'accomplissement de ta promesse, tu ne mourras pas. Alors l'alliance, à cause de l'alliance, Dieu fait l'alliance pour te délivrer. Celui qui écoute ma parole, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez. C'est que l'alliance implique la prière. Si tu m'écoutes et que la parole demeure en toi et que toi tu demeures à la parole, c'est ça la Pâque. Le pain sans levain, c'est la parole. Le pain qui ne peut pas être corrompu, c'est la parole. Mais le pain que vous mangez là, on l'a fait dans la boulangerie. Mais le pain sans levain, c'est la parole. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Jésus a pris le pain comme symbole. Il dit, prenez ceci. Ceci est mon corps. C'est qu'en réalité, le pain de la Pâque, c'est la parole de Dieu. Le sang de la Pâque, c'est l'interprétation de la parole. Quand on prêche bien la parole, on explique bien la parole, c'est ça le sang. En réalité, quand on va immoler l'agneau, ce qui va sortir, c'est le sang. Il a pris le vin, il dit, prenez ceci, c'est mon sang. En réalité, la parole seule ne donne pas la vie. Mais c'est l'esprit qui est caché dans la parole qui donne la vie. Amen. Tel que je suis en train de parler à quelqu'un, partout où tu me suis, quel que soit ton problème, si tu crois à Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est ton Pâque, aujourd'hui c'est ta délivrance, aujourd'hui c'est ta liberté. Je veux citer par ici, qu'est-ce que la Pâque implique? L'alliance implique quoi? Je prophétise à cause de cette alliance, toi qui me suis, tu deviens dangereux. Amen. Celui qui a mangé le corps, celui qui a mangé, qui a bu le sang, le sorcier ne peut pas les toucher. Amen. Tu es là, tu me suis. Tu es malade. Tu es dans un lit de l'hôpital. L'alliance implique la force. La parole que tu as suivie cet après-midi. Que cela te donne la force. Toi qui étais faible, relève-toi. Toi qui étais fatigué, relève-toi. Ma chaîne est comme un corona. Oh le caboy corona. Oh le caboy corona. Moi je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué pour t'annoncer la bonne nouvelle. Naba pasteur, nous sommes comme bangi sabato. Il y a, nous n'allons pas mourir. Amen. Toi, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu es préparé pour l'enlèvement. Yes. Tu es préparé pour le grand mariage. Amen. Je prophétise à cause de cette alliance.
Je dis la Pâque, c'est la parole. Hein? Amen. La parole que tu suis là, quand tu l'écoutes, tu es directement en alliance. Yes. Tu es directement en alliance. Amen. Yango mona su ba tu ba obala na na l'état civil hein. Ba ke kuna ata ba lati ba alliance. Boyo ka vambo lati ba alliance. Bokume sa lobi. Tang bo koti sango. Moi si loba quelque chose. Donc l'alliance hein, c'est la parole qui lie les deux personnes. Amen. Les deux personnes soit entre Dieu et les hommes. Or, nous, nous sommes en alliance avec Dieu. Au travers de la parole. C'est-à-dire l'alliance, hein, c'est la parole que tu suis. Si tu me suis, partout tu me suis. C'est-à-dire Dieu est en train de contracter une alliance avec toi. Je prophétise que tu deviens très dangereux. Et l'alliance aussi, peuvent être aussi les alliances des jeûnes et prières. Il faut, ça peut être, aussi être les alliances par les offrandes et les sacrifices. Troisième point, on ne peut pas faire l'alliance sans sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça une vérité de l'alliance. C'est-à-dire, dans l'alliance, hein, il faut qu'il y ait des sacrifices. Or, dans chaque maison, Exode chapitre 12, hein, avant que Dieu délivre, il a dit, « Moutouna moutazwa mémé. » Azwan Taba. L'alliance doit être toujours contractée par un sacrifice. Amen. Yes. Or, Jésus est notre sacrifice. Amen. Mais en plus de Jésus, tu peux aussi contracter l'alliance avec Dieu par tes offrandes. Amen. Yes. Par tes dîmes. C'est pourquoi là où nous avons lu, Dieu dit à cause de ton alliance. Yes. Quelle alliance? Malachie chapitre 3, verset 11. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Yes. Là, Dieu parle de l'alliance des dîmes et des offrandes. Maman, yom topé sa offrande na yoko tikate. Amen. Yom topé sa ba dîme na yoko tikate. Parce qu'en donnant, on fait l'alliance avec Dieu. Amen. Yes. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez. Si pour vous, je vais ouvrir le ciel. Toi, tu donnes sur la terre. Lui va ouvrir les ciels. Amen. Pour vous, je vais menacer celui qui va dévorer. Amen. Je bénis Maman Nanou à Londres. Je bénis Maman Mbi à Londres. Yes. Je bénis les gens qui me suivent à Paris. Amen. Là, je parle de Niclette. Je bénis Judith à Paris. Amen. Je bénis les gens de l'Afrique du Sud. Amen. Toi qui as des requêtes de prière, yes, tu peux nous envoyer ça. Toi qui nous suis sur la page Facebook, tu peux nous envoyer vos suggestions à celui qu'on a blessé. Pardonnez-nous. Yes. Nous avons prié pour que cette parole puisse vous consoler. Amen. Nous demandons pardon à ceux à qui la parole a touché. Mais pardonnez-nous. Mais nous voulons prier deux minutes avec vous. Hormis l'alliance de Jésus, au travers de la parole, nos familles aussi ont fait des alliances. Ils ont fait des alliances comme Jésus a Dieu a parlé à Gédéon. Tu es vaillant héros. Mais avant tout, va briser l'autel de ton père. Donc il y a des familles qui me suivent. Tu n'es pas prospère. Tu n'es pas béni. Tu es en alliance avec Jésus. Mais ton père aussi a fait des alliances. Dans votre famille, vous êtes sortis. Nous allons détruire ça pendant deux minutes. Toi qui me suis là, tu vas te mettre debout là où tu es. Jaïbet a dit ceci. Mais pourquoi non que Libosote, sa maman lui a dit les noms que je t'ai donnés. Il y a un homme comme ça, Jaïbet pauvre. Jacob aussi. Il a lutté avec Dieu. Et avant d'être béni, il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Amen. Mais il était déjà Jacob. Amen. Il avait la prophétie depuis le sein maternel. Yes. Maman Jacob, quand elle était enceinte, le cadet va dominer sur l'aîné. Il avait la prophétie, mais il n'était pas béni. Yes. Son nom, Jacob, vidé, usurpateur. Voilà, voleur.
quand il a lutté avec Dieu, c'était dans la prière. Quand il a lutté avec Dieu, Dieu lui a dit, lâche-moi. 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 Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Et Dieu lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, je suis Jacob. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob. C'est-à-dire, par ce nom-là, il était lié. Il a volé la bénédiction de son frère. Même Gédéon, nous voyons, on lui dit, tu es héros vaillant. Mais il dit, mais ma famille est la plus pauvre. Dieu lui dit, va avec la force que tu y as. Mais la nuit d'aujourd'hui, va détruire l'hôtel de ton père. C'est qu'ils étaient pauvres, parce que papa avait l'hôtel de Baal. Toi qui me suis, tu es en alliance avec Jésus, au moyen de la parole. Mais rien ne marche. Nous allons détruire les alliances familiales. Même dans la Bible, nous voyons, il y avait aussi des enfants qu'on a appelés les fils de Jonadab. Ils ont dit, nos pères, nos arrière-grands-pères nous ont dit, on nous a laissé cette loi. Nous n'allons pas construire des maisons. On ne bâtira pas. On n'achètera pas de voitures. On n'aura pas de jardin. On ne va pas boire du vin. C'était nos parents qui nous ont dit ça. Et nous, nous respectons ça. Vous voyez, les liens, c'est quoi? Ce sont des lois spirituelles qui peut être des paroles, qui peut être liées. Maloba ya papa, maloba ya mama. Ndeni batu bazoka mbasu. Mutabimi na mwa sabatu, bien na mobala batu. Mutu wana kiazwile, asombele ka mbasu a 2000 francs. Azuka mbongo wana lobi. Soki ka ko bimena na mobali na ngana na bwa ki mbongo. La parole qu'on a sorti là. C'est une loi. C'est un lien. Ça va te suivre. Malédiction sans cause. Sans effet. Mais si tu es sorti avec la femme d'autrui là, l'homme d'autrui là, c'est comme quelqu'un qui a volé l'argent à la maison. Mais ce bonga, la parole est là, c'est aussi un lien qui va te suivre. Là, je parle à tous mes enfants. Au quotidien de dîmes, au quotidien d'offrandes, l'église est au Kangama, mais Moussala Nzambe Zoko fonctionne. Au quotidien de dîmes, au quotidien de Bino Batou Bozana Kinshasa, na MPSA, na 081 690 67 63. Na répété 081 690 67 63. Na Tigo Cash, au quotidien de contribution, au quotidien de l'alliance par l'offrande, na 089 96 22 759. Nazaki nga mokote lelo ezaki émission spéciale mardi na vendredi bo ozala obligé rolanda biso ozala lelo ozalité mardi ozalité ya te et ozala ba séquence à prière tozana intercession miracle et intercession mo ezala moto la moto o pesi mbwa mbwa zui o pesi nia ou nia ou pas zui. Makala na putuluna nyoso mataka ezaba prière à combat makasi. Donc vous allez connecter na page na biso Facebook, page au mona ba komi Meda TV, page ba komi 2 Timothée 4 5 Meda TV, eza page au mona toche longa profil au mona ngai vous allez li pamboli pona biso il faut aimer soko emaki ba suggestion na bino ezaba bienvenue po na koyeba ko sunga musala et kende liboso. Nazaki nga mokote na kambamaki na bana na ngai na ngambo na nga na loboko mobali nde baloba na Lingala ezaki berger Jonathan hein aza chargé na intercession to benga kae elombe nazoka posa na benga ke le fils du prophète na ngambo na ngamu ta interpréter kinga eza cordon Abigail hein Abigail. Donc yende aza cordon yende muta interpréter kibiso na simananga na ngambo ya mobali toza na pasteur Rachel hein pasteur Rachel yiwana zalaki basali bazé belé mais par rapport na confinement nde toyé boyé et na simananga koto toza na berger Charlotte
na mupanza berger Charlotte, toza na berger Moïse, to bengake Moïse alelo. Moïse alelo yoana. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Joseph Ongwale. Nazaki na sengwa okota na mandaku na bino, na mituka na bino, na sima caméra, tozalaki na papa Peggy. Ngala bengake chasseur d'image. Na ebite ba miracle nini basala ka chasseur d'image, ba onde ba sungi biso poto kota la bandaku na bino, na sepela na muto mayele, hein, ngala bengake mwana mayele, hein, na régie finale, tozana papa na biso Nathan. Nata, c'est vraiment mini mwana mayele, hein, mwana mayele. Donc yende mutasala ka makamion so poto kota na bandaku na bino. Donc rendez-vous aujourd'hui à la prochaine eza mardi. Mardi à partir ya 12h, vous allez connecter à partir ya 12h mardi. Vendredi à partir ya 12h sur ba programme échangé to koyeb sabino. Et chaque dimanche lelo pona mvu le beta ki ana Kinshasa yango to zwami après bangonga boy. Chaque dimanche bo bandoza la wana bo zala béni à partir ya 8h30 9h to bandoza la wana to bandoza bino 1h30 na présence en Nzambe enseignement et puis prière 1h30 na présence en Nzambe ba culte menan zela ya ba téléphone et ozali pamboli pona makamba corona le prophète dit quoi. Le prophète dit sans ya avril oyo eza fin ya makamba ba corona. Hein? Eza délivrance ya Congo, eza délivrance ya ba miyibi nyoso, eza délivrance ya makamba mabe nyoso, eza délivrance kalamingite nouvelle ère zo ya kalamingite mpepasike zo ya. Mais na zanga kolobe loko te okoka kolanda ba matea na nga nyoso te, okoka ko ben papa osakole libiso en direct pour na nini. Yom tozu numéro, enregistré numéro ana, oko benga biso orzo ba directive prophétique. Vina weza privé, et sengel to solano en privé. Mais, e ozala malamu mingi penza, o s'abonne na chaîne na biso, hein, Meda TV, o s'abonne. Ndeko mwa benga bi papa ba s'abonne en denin. Il faut d'abord, ndenge ingénieur, et ya régie finale, il faut d'abord ozala na Google, compte Google. Donc, si vous avez des techniciens, vous avez des salons. Mais au côté de YouTube, si vous avez des YouTube, vous avez des Meda TV. Meda TV, vous avez des Meda TV, vous avez des options. Et puis au côté de Romona Ngai, votre humble serviteur, et tant que vous abonnez, à chaque fois que vous avez une émission, vous avez connecté. Et puis vous avez un message que voilà, Landa, Ndekonabino.